Bonjour Céris, donc aujourd'hui on continue donc un petit peu donc sur la liste des sorties des scènes avec Oranienburg Canal, donc un jeu de Rosenberg qui est pour un ou deux joueurs. Alors en vrai c'est pas vraiment un jeu des scènes. Ils sont pas sûrs de l'avoir pour SN, c'est chez Spielworks. Et si ils l'ont, ce sera juste en démo, pas en achat a priori. Et c'est un truc qui est passé uniquement par du financement collaboratif pour l'acheter. C'est pas très clair qu'il y aura un jour d'autres copies à acheter. Bon, voilà, mais peut-être. Donc hier, je vous parlais donc d'Atiwa. Atiwa, l'autre jeu de Rosenberg qui sort là cette année. Je vais se mettre en pause pour. Ah, donc Atiwa, l'autre Rosenberg qui sort pour essayer, et pour le coup, ça c'est une vraie sortie des scènes. Mais du coup, j'avais quand même envie d'évoquer le Oranienburger Canal. Donc, Oranienburger Canal, c'est vraiment un jeu uniquement pour deux joueurs avec un mode solo, donc un deux joueurs. De pose de tuiles qui est pas si léger que ça. Il y a eu un journal du développeur, donc il parle plutôt de. Il dit que c'est dans la continuité de Le Havre et Aurore et Labora, donc en gros c'est des idées qu'il a, ou des débuts d'idées qu'il a plus abouti, qu'il a pas pu rentrer dans les autres jeux, notamment sur la localisation des différentes cartes lieux qui vont s'activer entre elles, avec un réseau et le choix des bâtiments, et toujours de la construction. Et qui marche bien en mode deux joueurs, donc qui est vraiment un jeu un peu de pose de tuiles bâtiment qui permet de les enchaîner en faisant des choses. Voilà, donc Rosenberg, auteur bien bien connu, il est chez Spielworks, je crois que c'est son premier ou peut-être deuxième jeu là-bas. La raison, donc ça il en a parlé du coup aussi, c'est qu'en fait c'est un jeu, c'est un gros jeu pour deux joueurs de développement pose de bâtiment, ce qui est un petit peu exotique comme il avait fait pour Terre d'Arles déjà. Et du coup, il n'y a pas un gros marché pour ça, donc ces éditeurs habituels sont pas sur les bons nombres de tirages, en gros, en moyenne, hein, dans leurs habitudes. Et là, ça permettait de passer avec un éditeur différent qui connaît plus longtemps avec qui il avait envie de bosser. Et du coup, ils sont aussi passés par du financement participatif pour cette même raison, pour avoir pile le bon nombre de boîtes, en gros. Bon. Voilà, c'est en tout cas ce qui est dit. Donc maintenant, de quoi il s'agit sur Oranienburger Canal? Donc Oranienburger Canal, ça va être un jeu où on va aller construire son plateau de bâtiment. Donc là, c'est pas trop visible sur les photos là, mais sur les règles peut-être plus. Donc oui, il y a les règles disponibles en anglais et en allemand. Je crois qu'il y a les glossaires aussi disponibles parce qu'il y a tous les types de bâtiments. Alors, on va avoir un plateau personnel qui va être du 4x3 sur lequel on va placer nos bâtiments. Donc nos bâtiments, ça va être des cartes qu'on va aller déposer dessus et autour desquelles on va construire des chemins. Donc il y a quatre types de chemins différents, juste les chemins, les routes, les rails et les canaux. Voilà, qui ont en gros des coûts différents et les chemins, ils sont plus faibles, ils valent pas de points en fin de partie. Et on va pouvoir acheter des bâtiments. Pour ça, il va y avoir un système de pose d'ouvriers avec des actions centrales. Hop, donc ça c'est le plateau d'action, donc il y a 7 cases d'action. Les cases d'action là s'améliorent, donc soit en rajoutant quelque chose, soit en donnant une alternative à partir du moment où on avance dans la partie, donc R1, R2 et dernier tour. Et sinon on a donc récupéré des ressources, construire des bâtiments, construire des routes. Donc voilà, donc en bas on récupère des ressources, en haut on construit des choses. Assez épuré côté des actions, pareil sur le journal de développement, il dit qu'il y a vraiment un vrai choix de mettre la complexité plus sur l'enchaînement des bâtiments et la localisation que du coup garder des actions relativement épurées. Hop, donc cette action, on alterne chacun notre tour, oui, du coup j'en parlais maintenant, c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre. Il y a un premier joueur qui prend une pile de jetons d'action et en gros ça va vraiment être une pose d'ouvrier. Le premier joueur va faire 3 actions et le deuxième joueur va en faire 2 en alternance. Donc une action le premier, une action le deuxième, une action le premier, une action le deuxième, une action le premier. Un peu comme dans Aurore et Labora. Du coup, tout ça, ça va nous permettre au final quand même de construire des bâtiments chez nous pour des ressources qui vont avoir des pouvoirs. Ces pouvoirs, on les active en fait à deux moments de la partie qui ne sont pas forcément le moment de la construction. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'est mis l'accent. Donc, le bâtiment, il va s'activer soit quand il va être entièrement entouré de chemins, enfin voilà, de tracés. Donc, les quatre cases autour sont occupées par des routes, des chemins, des canaux, des choses, par des transports. Et une deuxième fois quand il va y avoir deux ponts autour. Alors, je ne sais pas si là on voit un peu les ponts, mais il y a des ponts dans le jeu qui peuvent être construits par-dessus des routes. Donc pour placer un pont, il faut à la fois avoir les bâtiments des deux côtés, à la fois avoir la route. Et là, on peut mettre un pont. Donc il faut soit deux ponts, soit quatre routes autour. Et souvent, on va les activer deux fois en faisant l'un et l'autre, apparemment.
Du coup, ça oblige à faire un petit peu des connexions entre les bâtiments qui nous intéressent, dans quel ordre, etc. Donc ça a l'air assez mignon sur l'activation des ressources. Et donc dans le jeu, côté mécanique, on va aussi avoir un stockage de ressources qui va se faire donc sur des roues, comme ça. Donc chaque joueur a sa roue de ressources qui représente les ressources qu'il a. On n'a pas des milliards de jetons de ressources, c'est juste le numéro en face duquel on est. Il y a des ressources de base, le bois, la pierre et l'argile, et il y a des ressources avancées, l'acier et les briques. En gros, on va pouvoir convertir des ressources de base en ressources avancées, et pour ça, il y a donc le système de roues. Hop. Donc le système de roues, comment il va marcher? Donc on va gagner des ressources standards en les avançant. On peut aussi à tout moment, donc on a de l'argent qui sert essentiellement à ça et peut-être à payer des effets de bâtiment, pour avancer les ressources artificiellement. Donc pour faire passer une ressource de 0 à 1, on paye une pièce, de 1 à 2, on paye deux pièces, de 2 à 3, on paye trois pièces. Donc comme ça permet un peu de moduler ça et d'avoir un minimum de ressources. Pourquoi? Parce que pour transformer des ressources de base en ressources avancées, il faut dépenser un de chaque et ça nous donne un de chaque de l'autre côté. Donc ce qui se passe, c'est que quand la roue est vide, on peut payer deux pièces pour dire on tourne cette roue qui va augmenter mécaniquement la quantité des deux ressources avancées en diminuant de 1 la quantité de toutes les ressources de base. Tout simplement. Cette roue, c'est pas une roue de revenus, c'est vraiment une roue de dépenses. Sachant qu'à la fin du tour, on va avoir chacun une avancée gratuite de roue. Ce qui fait qu'on a envie d'avoir un petit peu de chaque ressource à la fin du tour, mais qu'avoir un petit peu de chaque ressource, c'est pas très dur parce que ça coûte que 1 sou de passer de 0 à 1. Il y a quand même l'air d'avoir une petite combinatoire sur qu'est-ce que je récupère, à quel moment, les stocks, voilà, donc j'y ai pas joué, donc en pratique, je sais pas trop ce que ça donne, à quelle puissance. Mais voilà, donc l'idée du jeu, c'est en gros ça, et donc la richesse, ça a l'air d'être beaucoup dans l'enchaînement des types de cartes. Donc il y a trois, dans une boîte, il y a trois. 60 cartes qui sont 20 cartes de chaque, fois 2. En fait, il y a un deck A, donc ça, Rosenberg, il a un peu fait, il y a de plus en plus de jeux qui le font, d'avoir des types de decks pour changer les parties. Donc, soit on joue avec le deck A qui présente un ensemble de bâtiments, soit avec le deck B qui présente un autre ensemble de bâtiments. Et du coup, il y a deux petites extensions qui sortent pour Essen, donc qui sont expansion 1 et expansion 2, qui sont juste deux autres decks à chaque fois. Donc là, il y a 120 cartes de plus, donc deux decks de plus, et là, il y a re 120 cartes de plus, deux decks de plus. Et j'ai dit que ça sortait pour Essen, mais n'importe quoi, c'est toujours sur du Gamefone, tout ça. Donc bon, j'ai pas joué, j'ai pas regardé les bâtiments, j'ai pas trop regardé l'enchaînement, ça a l'air d'avoir été pensé, ça a l'air assez chouette. Le côté on active les bâtiments à des temps différents, ça a l'air plutôt sympa. C'est du pur 1-2 joueurs. Moi, j'aimerais bien l'essayer un jour à l'occasion, voir ce que ça donne, surtout que moi, j'aimais beaucoup, par exemple, le Havre Port Fluvial. Qui a l'air. Alors, on construit des bâtiments avec un système de ressources un petit peu tordu, différent de celui-ci, mais voilà, en format de joueur, plus léger, visiblement. Et les bâtiments, c'était toujours les mêmes, donc c'était un petit côté répétitif. J'aime beaucoup Aura et Labora, j'aime beaucoup, beaucoup Le Havre, même si je trouve qu'au bout d'un moment, on s'en est un peu lassé avec les bâtiments qu'on connaît trop bien. Donc oui, forcément, ouais, ça me donne envie d'essayer. Je sais pas si actuellement j'aurai les joueurs pour. Moi, j'ai pas fait le CAES, donc je sais pas s'il y aura possibilité d'avoir une boîte un jour ou l'autre. Mais voilà, ça fait partie des choses que je garde en tête, comme si les bonnes circonstances sont là, j'y jouerai bien. Pour le mode solo, c'est en gros les mêmes règles. Il y a juste un bloqueur qui avance sur des cases un petit peu différentes. Oui, j'ai pas dit les cases inutilisées. Il y a des sous qui s'accumulent dessus. En fait, il y a deux lignes d'action. Et en haut, donc les actions de construction, on gagne toujours un sou quand on y va. Il y a un sou qui s'accumule par tour et ça n'a pas été pris plus. Et en bas, les actions qui n'ont pas été prises prennent un sou d'un tour à l'autre. C'est un petit peu des accumulations de sous. Donc en solo, il y a un bloqueur qui avance, qui va un peu changer qui va donc enlever des sous, qui va bloquer une action par tour. On sait où est-ce qu'il va être à quel tour. Et le but, c'est d'atteindre un maximum de points. Donc le but, c'est de faire 120 points idéalement, sachant qu'il y a toute une échelle de score avec à quel point ça réussit. Voilà. À part ça, pas d'automate. Il y a une règle qui a l'air d'un petit peu changer, mais j'ai pas lu en détail. Mais ça a l'air très tractable comme jeu solo si on aime battre son score. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Oranienburger Canal. Bisous!